Allez, on va mettre tout ça en hard. Un player. Et toujours avec Blaze parce que elle est plus rapide et elle tape pas moins fort contrairement à ce qui est marqué. Enfin, elle a deux attaques qui sont moins fortes et c'est des trucs que j'utilise pas donc. Ouais, je sais pas, moi j'ai internet partout avec Free. Je suis rarement sur une antenne orange. Après, c'est vrai que le truc, c'est que Free a blindé son déploiement mobile sur la ville pour couvrir facilement plus de monde. Merde, raté. Je voulais réussir. Enfin, moi j'ai pas à me plaindre, hein. Je trouve que je suis bien couverte avec Free Mobile. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'ils ont plus de Nexus 5. Ah, trop tôt. Du coup, je me suis fait taper sur ce stage, c'est quand même la honte. Oh putain, se faire toucher par ce boss, c'est la honte. Moi je vois même sur la route entre Lille et Valenciennes. Bon, je suis pas tout le temps sur l'antenne de Free sur cette route. Mais je suis bien couverte quand même. Bon, on commence par une run qui est pas super propre. Je me disais, si vous êtes sage et motivé. Après, j'aurais peut-être un try des trois premiers donjons sur Zelda LADX. Putain, je fais du... Alors moi, c'est tous les opérateurs qui me font chier à pas étendre la fibre, hein. Ah putain, merde. J'ai merdé. Ah putain, là, ça va me faire chier.
Et encore, 2020, c'est avec du bol, c'est ça? Bah, de toute façon, ça fait, c'est pas comme si ça faisait 10 ans qu'on nous dit la France fibrée, c'est pour demain. C'est vrai, je trouve ça bizarre d'ailleurs ces histoires de marché de la pose de fibre. Ça m'inspire rien de bon. J'avais trouvé une maison, la fibre s'arrêtait à la maison d'avant et reprenait à la maison d'après. Vous avez vu un des rares cas où le coup de pied sauté peut servir pour se protéger d'une de ces putains de saloperies de... Oh merde, putain! Je l'ai croisé. Faut jamais croiser les effluves. Ni le boss. Et merde! Je vais faire un truc risqué. Yes. Bon. Ça l'a pas tué, je pensais que ça le tuerait. Et là, je vais avoir du mal à récupérer le boss. Bon, très mauvais. Très très mauvais. J'ai réussi à lui lancer le couteau dans la gueule, mais il lui manquait, il lui restait 2 points de vie. Donc très très mauvais deuxième stage. Mais vraiment une immondice à ne pas savoir qu'en faire. Désolé de vous avoir montré ça. On va espérer que je me rattrape sur le troisième parce que sinon la run est finie. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un cheveu qui est en train de me chatouiller le nez. Voilà, je l'ai déplacé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, bordel?
Alors j'en laisse les couteaux parce que c'est quand même le swag de tuer un ennemi au lancer de couteau dans ce jeu. Hein. Disons-le franchement, tuer un ennemi au lancer de couteau, c'est le swag. Voilà, le swag. Parce que réussir à lancer de couteau, c'est pas donné à tout le monde. Alors, on se concentre. Faut pas le rater. Trop tard. Oh putain! Mignon de merde quoi! Saleté de mignon! Immondice de mignon quoi! Faut vraiment que je trouve un truc plus efficace pour ce boss. Parce que là, je peux me faire troller par le mignon trop facilement. Et merde! J'ai glissé. Désolé, j'ai glissé. Je vais reprendre les extends parce que là j'ai pas beaucoup de vie. Ah, j'étais un peu trop haut. Non, au Stunfest, c'était la faute à la manette. Merde, pourquoi j'ai fait ça? La faute à la manette, c'était au stun. Là, je joue pas sur une manette de Mega Drive merdique, donc j'ai pas l'excuse. Je vais tenter. Merde. Presque. Allez, on le tente sur lui. Allez. On applaudit le suicide. Il est pas facile le suicide. Bon, la run est pas belle, mais j'ai des trucs marrants, donc ça compense. Ah, trop tôt.
Headshot! Alors, là il faut que je gère le minion, donc j'ai trouvé une nouvelle strat pour pouvoir gérer le minion à la con. Voilà! Et on applaudit la mort du minion! Là, pour une fois, ce boss s'est bien passé. Enfin, là, j'ai trouvé un truc, justement, pour plus être emmerdé par le minion. Donc, ça aide. Ça aide beaucoup. Putain. Mais ils sont autant que ça d'habitude. Ah parce que là je me suis fait mais charcler la gueule. Oh. Faut pas que je me fasse toucher jusqu'au prochain régène, ça va être tendu. Ah, ça va. J'avais oublié cette pomme. Ah, j'ai surtout fait de la grosse merde en fait. C'est plus à ça que ça aurait dû ressembler. Pour le coup. Eh merde. Il est après le boss. Ok. On va dire que je suis tombé sur une mauvaise RNG du comportement des ennemis. Hein. On va expliquer comme ça. J'ai une bad RNG.
Ah merde, trop tôt. Voilà. Il est passé quand même. C'était pas facile, hein. Voilà, la mort à la con. C'est pour faire baisser le rank. Mais putain, enfin un mort. Eh mais ok. Le couteau c'est violent, c'est l'avantage. Non, 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 non. Non, 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 non. Et si. Elle l'a fait. Poulet utile. Et merde! Comment perdre une vie bêtement? Et merde! Eh merde, pourquoi j'ai fait ça? Au moins le boss est mort. Si j'arrive au boss final sans perdre de crédit, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose si j'y arrive.
Alors moi de toute façon je sais que si j'y arrive pas c'est que j'ai une exé de merde. Alors faut que je me mette là. Voilà. Lui, ça va, il est maîtrisé. Ah merde. Ouais mais là si tu veux pour l'instant c'est que le mode hard. Après il y avait Rihard à finir en one cred hein. Avec un petit peu de chance. Merde, il m'a eu. Voilà, avec un peu de chance, j'allais dire, ça, ça va passer. Surtout avec un peu de chance, je peux peut-être passer le boss avec une seule vie. De toute façon, pour aller au boss final, là, faut pas que je perde de vie sur ce niveau. Là, faut que je le finisse clean, quoi. C'est pas gagné en faisant des trucs comme ça. Putain, d'ennemis à la con, quoi. Il y a de trouillard. Oh là, non. Voilà, le truc chiant. Les ennemis qui se planquent.
Ok, bon. Et merde, raté. Là, faut que j'attende qu'il sépare un peu. Et merde. Raté. Là, faut que je... si je l'utilise pas, je me fais dégommer. Là, c'est la backup strat dégueu, mais... faut que je puisse me replacer. Putain! Hey, j'étais en train de le lancer, merde! Là, c'est fini. Je le fais pas une deuxième fois le coup d'appeler les flics. Une fois, c'est déjà trop. Elle est finie cette run. Hein. Là, je le sens pas, les deux stages qui arrivent. Hein. J'ai une vie pour deux stages. C'est mal barré. Il n'y aura pas le one cred aujourd'hui. De toute façon, même s'il y a le one cred, il compte pas, j'ai utilisé les renforts. En même temps, du moment que j'ai perdu des vies sur le boss du 2 et du 3. Mi-vie, même pas à mi-niveau. Garc. Mal barré. Et à travers l'ascenseur. C'est plus drôle. Allez. Voilà, le mode berserk du jeu balance tout le monde par-dessus bord. Je crois que c'est la première fois que je balance autant d'ennemis par-dessus bord. Ah non, 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 pas moi! Quitte à finir, autant finir avec le swag, quoi.
Il me reste toujours que... Ah, deux vies. Peut-être, avec beaucoup de chance, une troisième dans le niveau. Ça commence mal, là. Ah, trop tôt. Ok, c'est quoi ce délire où je me suis fait démonter le crâne? Alors, on fait pas la même connerie que tout à l'heure. Putain, je l'ai faite! J'ai même fait encore plus con, j'ai oublié d'appuyer sur coup de pied. Oh putain. Voilà. Ok. Je crois que je dois être au ralenti, une connerie comme ça. Allez. Alors lui, quand il est tout seul, c'est facile. Oh, j'ai failli avoir mal là. Voilà. Tout seul, c'est facile.
Voilà, il est passé. Allez, on y croit. Première fois de ma vie que je cancel une attaque avec une poivrière, moi. Ah, c'est pas fini. Le boss final, il passera pas avec une seule vie, mais bon. Oh, ça s'est passé. Le pack d'ennemis qui était juste avant, il peut one shot, hein. Faut faire un perfect sur les deux sœurs là. On va le faire sans prendre de risque. On applaudit quand même. Parce que c'est passé sans perdre de vie et sans se faire taper. Rien que ça, c'est pas gagné. Et maintenant, on arrive au truc dur. Deux vies pour le sac à points de vie.
Ah, je le sentais venir. Je savais qu'il allait me le faire. Putain, merde! Ça, je l'ai pas vu venir. Je crois que j'ai quand même fait un pibi, là. Ah, quand même le finir! Ah, putain, j'avais besoin de choper le mec, là. Putain. Voilà. C'est le principe du boss final. Au moins, il est pas en mousse, celui-là. Et il est passé. Bon, je soumets un petit Stropole. Alors, qui veut que je refasse un street? Qui veut que je fasse un petit truc sur Zelda? Faut que je note mon high score pour après le mettre parce que je sais que j'ai fait tomber le high score. Ah ouais, ouais, bah tu notes déjà qu'il passe mieux qu'avant, hein. Je commence à comprendre quand il fait quel pattern. LADX. Allez, on va faire du Zelda. J'attends juste le high score. Alors.